tout passera comme il faut. Et puis acheter ou louer son logement, RTL vous a révélé ce matin l'étude du site meilleurtaux.com. L'achat d'un 70 mètres carrés est rentabilisé en moyenne au bout de 3 ans. C'est le cas à Toulon ou encore à Metz. C'est même plus rapide encore à Reims et Lille. En revanche, il faut beaucoup de temps pour qu'une acquisition soit rentable à Bordeaux. Maëlle Bernier est la porte-parole de meilleurtaux.com. Bordeaux, pour la première année, est pire que Paris. Il faut 9 ans et demi de détention d'un bien immobilier de 70 mètres carrés pour qu'il soit... Ça coûte moins cher que la location. Alors que Paris, on n'est qu'à 9 ans. C'est vrai que c'est un petit choc. Il suffit d'un an et demi pour rentabiliser une acquisition à Lille. Nice, c'est 3 ans. Orléans, 2 ans. Marseille, 2 ans et demi. Alors, il y a plusieurs explications. La première, c'est qu'effectivement, les prix à Bordeaux ont bondi, hein. Sur l'effet LGV, on l'a beaucoup commenté. Et en parallèle, une fiscalité locale qui est 2 fois plus élevée que celle de la capitale. Enfin, le tennis, un résultat cette nuit. Roger Federer qualifié pour les quarts à l'US Open. Il affrontera au prochain.